Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur les tableaux. Remarquez qu'on a pris le même fichier du cours précédent et on a effacé quelques lignes de code et on a laissé les lignes de déclaration du tableau que vous voyez. Et on a apporté quelques modifications sur ces deux indices. On affiche maintenant le premier tableau, each. Voilà. Les accolades. Et on écrit le écho. OK. Voilà. Virgule. Saut de ligne. Et point virgule. Voilà. Fait la même chose pour le deuxième tableau, for each. Sur des lignes, point virgule. Remarquez qu'on a écrit tout ce code dans une seule ligne. C'est pour dire que en PHP, c'est pas nécessaire de mettre chaque instruction dans une ligne. L'essentiel, c'est que chaque ligne doit se terminer par un point virgule. Mais ça pose un problème au cas où la ligne est très longue et il y a une erreur dans cette ligne. On aura du mal à savoir où est l'erreur exactement. C'est pour ça qu'il est mieux d'écrire chaque instruction dans une ligne. On va écrire quelques titres. Echo. La famille de Adil. Echo la famille de Chris. De point. Sur des lignes. Et le point virgule. On enregistre et on affiche. Vous voyez, la famille de Adil et la famille de Chris. On retourne à l'éditeur, on insère un retour à la ligne et on affiche les noms qui se trouvent dans la ligne ou bien dans la famille. Famille de Adil et qui ne se trouve pas dans la famille de Driss. Point virgule. On va stocker les résultats dans un nouveau tableau. New tab. Égal. Donc, pour trouver les noms qui se trouvent dans la famille de Adil et qui ne se trouvent pas dans la famille de Driss, on utilise la fonction array diff k. On donne comme paramètre la famille, le tableau de la famille Adil. Oui, virgule. Et le tableau de la famille de Driss. Maintenant, les résultats de cette fonction seront stockés dans ce tableau. Je signale aussi que cette fonction-là agit sur les indices. C'est-à-dire que la recherche qu'on veut sera faite au niveau des indices du tableau. Pour afficher le contenu de ce tableau, on copie ce code et on le colle ici. Et on modifie
on écrit ici « New tab » pour afficher. On enregistre et on affiche. Voilà. Les noms qui se trouvent dans la famille de Adil et qui ne se trouvent pas dans la famille de Driss sont ces trois. Ils sont dans cette famille et ils ne sont pas dans cette famille. On retourne maintenant au PHP Designer et on copie ce code et on le colle pour y porter quelques modifications. Maintenant, on va afficher les âges qui se trouvent dans la famille de Adil et qui ne se trouvent pas dans la famille de Driss. Pour ça, toujours, on crée un tableau, un nouveau tableau, et on utilise la fonction ArrayDef qui agit sur les éléments du tableau. Procédure d'affichage, on enregistre et on affiche. Les âges qui se trouvent dans la famille de Adil et qui ne se trouvent pas dans la famille de Driss, on remarque qu'il a affiché toute la famille de Adil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressemblance au niveau des âges. On retourne au PHP Designer et on fait quelques modifications. 5 et 18. On enregistre et on affiche. Vous voyez, 12 ne se trouve pas dans la famille de Driss, ainsi que 2 et 6. On retourne au PHP Designer. On recopie le code et maintenant on affiche les noms qui se trouvent dans les deux familles. Pour ça, on utilise la fonction ArrayIntersectK. ArrayIntersectK. C'est-à-dire la ressemblance de nom qu'il y a entre la famille de Adil et la famille de Driss. On enregistre et on affiche. Il y a Karim et Kenza. Ils sont partagés. Karim, Karim. Et Kenza, Kenza. On recopie le code et on le colle. Maintenant, on va chercher les âges qui se trouvent dans les deux familles. Pour ça, on utilise la fonction ArrayIntersect. Il va agir sur les éléments. ArrayIntersect. Sachez que ArrayIntersectK et ArrayDiffK agissent sur les indices. Et ArrayDiff et ArrayIntersect agissent sur les éléments. Bien. On enregistre et on affiche. Les âges 5 et 18. Il y a 5, 18. 18 et 5. L'intersection des âges de famille nous donne 5 et 18. On va recoller le code de nouveau et on va afficher la fusion des deux familles. C'est-à-dire on va fusionner la famille de Adil et la famille de Driss dans un seul tableau. Pour ça, on utilise la fonction ArrayMerge. Cette fonction-là va fusionner les données ou bien les éléments de ce tableau et ceux de celui-là et les mettre dans NewTab. Si il y a une valeur ou bien un élément qui est commun entre ces deux tableaux, celui du premier tableau sera écrasé par celui du deuxième. Nous allons voir les résultats pour bien comprendre. Remarquez que l'âge de Karim était 6. Et maintenant, après le fusionnement, il est devenu 5. C'est-à-dire que l'âge de Karim dans la famille de Driss a écrasé l'âge de Karim dans la famille de Adil. On retourne maintenant au PHP Designer. On va afficher, ou bien on va calculer la somme des âges qui sont dans la variable tableau new tab.
Pour ça, on utilise la fonction array, arraySum, et on donne comme paramètre newTab. On lance en saut de ligne. On enregistre. Et... Ah bon. Marquez qu'il y a une erreur ici. New. NewTab. Enregistre. Il a sommé. Bien, il a calculé la somme des âges. 12 plus 2 plus 5 plus 5 plus 18 plus 10 plus 20 plus 32 égale 104. Maintenant, on va effacer les âges qui se ressemblent. On va effacer les enfants qui ont, bien, les fils qui ont les mêmes âges, même si leur nom est différent. Pour ça, on utilise la fonction arrayUnique. arrayUnique et on donne new. Point virgule, on enregistre. Il y avait Amine 5 ans et Karim 5 ans. Donc, Amine et Karim ont tous les deux 5 ans. Donc, il a effacé Karim et il a laissé Amine. 5, 104 moins 5 égale 99. On retourne au PHP Designer. Maintenant, on va faire une inversion. C'est-à-dire que les indices seront à la place des éléments et les éléments seront à la place des indices. Pour ça, on utilise la fonction arrayFlip. arrayFlip et je donne newTab. Voilà. Et point virgule. Vous allez remarquer les résultats. Il faut mettre un T majuscule. Enregistre. Remarquez que les indices sont devenus des numéros, ou bien des chiffres. Et les éléments sont devenus des textes. Maintenant, on va transformer les éléments du tableau à des variables qui ont des indices comme nom. On utilise la fonction extract. On donne famille Adil. Et on fait écho. Cette fonction va extraire tous les indices de ce tableau en des variables qui ont le même nom, c'est-à-dire l'indice et le nom de la variable. On va voir. On va afficher la variable Jamal et la variable Kamal et la variable Amine. Point virgule. J'enregistre et j'affiche. Vous avez remarqué? Ah, il manque un saut de ligne. BR 12. Le premier variable contient la valeur 12. Le deuxième, la valeur 2. Le troisième, la valeur 5. On a la variable Jamal, 10 ans. La variable Kamal contient la valeur 2. La variable Amine contient la valeur 5. Maintenant, on va insérer des variables dans un tableau. On va créer un tableau enfant et on va insérer les valeurs de trois variables. On utilise la fonction compact et on écrit les noms des variables sans le symbole dollar. Exemple, Jamal, virgule, les variables qu'on a extraites du premier tableau. Et Kamal et Amine. Maintenant, ce tableau-là va contenir ces variables. La variable Jamal et Kamal et Amine. Ici, on les écrit entre ces parenthèses sans écrire le signe dollar. Point virgule. Et on affiche. Print. Print R. Enfant. Voilà. Point virgule.
On enregistre. Bon, la variable Jamal est devenue un 10. Et il correspond à l'élément 12. Kamal 2, Amin 5. L'enfant, je vais écrire écho. Le plus âgé est de point et écrit max, la fonction max, et je donne comme paramètre la variable enfant. Point virgule. On souligne. J'enregistre et j'affiche. Voilà, le plus âgé c'est 12. C'est Jamal, 12 ans. Et le moins âgé, on l'affiche par la fonction min. Le moins âgé est min enfant. Enregistre aussi et j'affiche. Le moins âgé, il a 2 ans. Maintenant, on va transformer les éléments d'un tableau aux formes de texte. On déclare en variable texte normal. Et pour ça, on va utiliser la fonction implode. Implode nous donne la possibilité de transformer les éléments d'un tableau à un texte avec la possibilité de mettre des espaces entre chaque élément. On écrit espace ou bien ce que vous voulez. On peut écrire aussi un tiret, pardon, virgule, et on donne le tableau. Avec et j'affiche écho texte normal. J'enregistre et j'affiche. Vous avez vu 2, 12, tiré 2. Tout ça, c'est un variable. Il est stocké dans un seul variable. C'est ce qu'on nous offre la fonction implode. On donne ici ce qu'on veut mettre entre les valeurs, ou bien espace, ou bien texte, ou bien un symbole, ce que vous voulez. Et ici, on écrit le tableau. Maintenant, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va transformer le texte en un tableau. On utilise la fonction. D'abord, on déclare un tableau texte formaté, ou bien on va écrire seulement texte, texte tab égal, on va utiliser la fonction explode, c'est le contraire de implode. Explode, on va écrire le petit texte qu'il y a entre les valeurs, dans notre cas, on a mis le tiret, virgule, et on écrit la variable, texte normal, et point virgule, print L, et on affiche le tableau, texte tab, point virgule, d'abord un saut de ligne. Voilà, j'enregistre. Marquez que ces éléments-là ont été transformés à un tableau, à un indice numérique. Il a 12, 2, 5. Bon. Remarquez que la fonction explode a découpé le texte en se basant sur le symbole qu'on a écrit entre les parenthèses. Il découpe le texte en trois
éléments, 12, 2 et 5. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À un prochain cours.